Le tout premier bobo. Un jour, il y a fort fort longtemps, Coco a dit « À tantôt !» Ce à quoi Kiki a répondu « À tantôt mon Coco !» Crasse, qui pendant ce temps-là jouait tranquillement, a demandé « Où qu'il est papa ?»« Papa est parti !»« Papa est parti ?» a répété Crasse. Avant d'aller voir s'il n'était pas parti par là. Mais par là, pas de papa. Tout à coup, qui voilà? C'est maman. Oh, gaffe au bobo, mon bébé. Ouh là là, ouï, ouï. Plouf, glou, glou, glou. Dangereux, dangereux. Allez, oust. Oui, oui, allez, crasse. Avant d'aller voir si papa était plutôt par ici. Mais par ici non plus, pas de papa. Tout à coup, qui voilà? C'est maman. Gaffe au bobo, mon bébé. Ouh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Blessure, sang, et après croûte toute dure. Dangereux, dangereux. Oui, oui, a dit Crasse. Avant de conclure, quand papa est parti, maman toujours partout. Oui, oui, allez, au dodo, a dit Kiki, qui maintenant avait besoin d'un peu de repos. Mais Crasse n'avait pas du tout sommeil. Alors, elle a réfléchi encore. Elle est allée voir si papa était parti tout là-bas. Mais tout là-bas, toujours pas de papa. Hmm, se dit Crasse. Avant de glisser et de crier « Maman !» Boum ! Crasse a pleuré, pleuré, pleuré. Mais maman n'est pas arrivée. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Maman, maman ! Oh ! Mais c'est une bosse ! Boss, c'est quoi boss? Kiki n'a pas eu le temps d'expliquer, car à ce moment-là, Coco a fait son entrée. Coucou, Coco a ramené miam miam. Mais Kiki a surtout remarqué que Coco avait aussi ramené un tas de bobos. Oh là 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 là. C'est rien, rassurait Coco. C'est petit bobo ça. Papa, moi aussi j'ai petit bobo. Oh, c'est vrai, a dit Coco. Petit, petit, c'est grosse bosse, ça. Mais regarde, moi aussi j'ai grosse bosse ici. Et égratignure ici, hématome là, et œil au beurre noir, orteil bleu, cicatrice, petite coupure, et même vieille croûte. Oui, 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 oui. Coco est le roi des bobos. Mais il n'y a pas de quoi faire cocorico, a dit Kiki. Enfin, Kiki est toujours là pour soigner son Coco et sa petite Crasse. Oh, mais Crasse est partie. Parti, mais parti où? Peut-être Crasse parti ramener d'autres bobos, comme Coco? Oh, pas de panique, a dit Coco complètement paniqué. Coco va trouver Crasse avant qu'elle ramène Bobo. Oui, oui, vas-y. Cours mon Coco, cours, a crié Kiki, qui en même temps s'est dit, oh là 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 là, si Crasse comme Coco, souci pour Kiki, pas encore fini. La suite de l'histoire ne lui donnera pas tort. Encore bobo, maman !»